Je m'appelle Stéphanie, je suis l'adjointe au directeur technique. J'ai en charge la partie opérationnelle de la direction technique, donc le suivi en temps réel des avions. C'est une équipe de 19 personnes avec seulement une fille. Toute la direction technique, c'est 50 personnes, à peine 10 filles, donc rejoignez-nous. J'ai un diplôme de maintenance aéronautique, option électricité, instrument de bord radio. J'ai commencé en tant que mécanicienne sur gros porteurs. J'ai ensuite évolué côté engineering avionique. J'ai passé une licence en parallèle. Et puis j'ai continué en tant que manager d'un service engineering et puis responsable des opérations techniques. Mon rôle, c'est de challenger les opérations de Transavia, donc rendre compte de la gestion de nos aléas, les analyser, mettre des process en place si nécessaire. En même temps, il y a la relation avec les partenaires de maintenance et bien sûr animer l'équipe. Les qualités requises, je dirais aimer l'opérationnel, puisqu'on ne peut pas programmer une journée type. Et puis donc être dynamique, aimer le contact avec les gens. Une de mes plus grandes fiertés, à coup sûr, c'était d'être là au début de Transavia. On était une équipe réduite. On gérait l'opérationnel en même temps que la mise en place de contrats support, de process. On était multicasquettes et en même temps, on travaillait déjà sur les specs des futurs avions avec Boeing. Puisque un an après, on était à 7 avions, c'était le début de la croissance de Transavia.